Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir que nous rejoignons sur le channel pour nous entendre causer. Jeudi, vendredi 7 janvier 2022, la police arrive à dévier un kidnapping et gen des bandits qui font voil pour payer sans chapeau. Qui va ça passer? Là, nous pouvons joindre toute information. Martine Moïse réagit sous arrestation Mario Antonio Palacios Palacios. Pas oublier en pile monde. Pensez que Mario Antonio Palacios Palacios c'est un suspect clé dans le mot Jovenel Moïse. Maintenant, nous avons une information sur le dossier ça. Claude Joseph Tou réagit concernant l'arrestation Mario Antonio Palacios Palacios. Et il voyait un gros message by Ariel Henry. Maintenant, nous avons le temps de causer. Mais avant, bon petit temps pour remercier nous tous qui toujours gardé la vidéo. Merci pour ça. Pas oublier like vidéo ça. Si ou gen un bon temps que vous avez regardé vidéo sur channel ça ou pourquoi j'aime abonner je dis à c'est juste pour faire ça. Si c'est première fois ou tombez sur channel là, abonnez parce que objectif nous c'est battre pour nous arriver 100 000 abonnés. Donc nous gen le devoir pour nous partager vidéo ça by toute famille, by toutes amis. Mes amis, on nous commence avec information yo. La police rive faire une belle coup jodi à côté que yo rive dévier un kidnapping. Trois nègres qui étaient dans une machine qui t'a essayé de kidnapper une dame. La population a alerté la police, bien la police lui-même, lui arrivé, courir derrière les nègres et il y a des bandits qui tombaient et ils sauvés. Mes amis, on nous suit comment le commissaire gouvernement Jacques Lafontaine a réagi sur le dossier ça et ensuite le commissaire Delma a réagi tout. On nous suit, mes amis. Bon, Jean où est là, il y a deux cadavres qui touchait mortellement et que à la suite à yon alerte que nous avons gagné et nous pas oublier nous avons en synergie avec le commissariat Delma à la tête du commissaire Charles Monod depuis le Vina qui a fait un bel travail et nous mêmes nous accompagnons le travail ça pour que nous capables retrancher et poursuivre et tout nègre qui a fait kidnapping dans Delma et que deux nègres malheureusement nous pas arrivé identifier yo parce que pas une pièce identité sur yo mais yo tombé mortellement et ou est gon zam nan men yo de calibre 9 mm et que nous joine sur youn et chauffeur a te gagné le temps pour le courir malheureusement pas de même sur monsieur mais n'a dit que nous déterminer une fois de plus par rapport avec signal que me devoyer dans première note me te fait sortir pour gros chantier me t'a poursuivre c'est le grand bandisme notamment le kidnapping. Donc, pour nous, dans qui mesure nous capable de travailler, pour nous faire la paix, retourner dans la cité. C'est une tentative de kidnapping qui déjoue là. Oui, pratiquement oui. C'est une dame qui a deux autres personnes dans la zone malheureusement qui frappé, qui blessé. Et juge Marjorie Valdé, lui actuellement, a dressé pour ce constat sur Kamoun ça a blessé. Alors, qui véhicule est... D'après sa police, qui était sur les lieux, dis-moi. Pourquoi c'est un grand Vitara. D'après ça, on a dit là. Mais monsieur qui est allé avec lui, malheureusement, on ne peut pas mettre sur monsieur. Et oui, 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 c'est la police qui stoppe monsieur à terre là. Oui, il y a un chauffeur qui est sous volant qui chauffe à Vitara. Malheureusement, on ne peut pas prendre. Non, on ne prendre monsieur. Non, on pas prendre. Mais, oui, ça, je me dis, monsieur, change de métier. Parce que Delma, son zone qui est paisible. Et nous, déterminés pour nous capables de faire régner la paix à Delma. Et pas seulement Delma. Mais si il y a des zones où nous pouvons arriver, et maintenant on a dit que nous travaillons sur ça, mais côté nous y est nous arriver, on a travaillé pour nous mettre la paix là-dedans. Oui, ça fait deux tentatives, nous arrivons déjouer pendant deux mois dans ce paquet là. D'accord. Merci beaucoup. Pour me travailler, pour me créer un climat sécuritaire pour la population capable d'évoluer. Alors depuis que je suis développé une relation de bon ménage avec les policiers. Et message à transmettre pour que chaque jour ils sont dans la rue, pied à terre, et puis pour permettre la population à évoluer. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas l'autre option dans le moment ça. Et puis, nous avons dit que la juridiction, il y a des zones nous perdues. Mais ça, nous avons essayé de consolider, nous avons essayé d'acquérir, à reprendre ça nous perd. C'est dans le cadre de ça aujourd'hui. Partout nous étions dans le lieu hein, et sous cri population hein, comme ils étaient disposés et puis
ils ont essayé de poursuivre bandits. Et en échange des tirs, malheureusement, ce n'est pas option. Malheureusement, ils ont touché mortellement. Donc, le commissaire Adelma, il y a des patrouilles qui toujours sillonné toute zone. Ah oui. Franchement, avec peu de moyens que nous gagnons, avec effort de direction générale, là, nous jouons nuit nous dans la rue. Moi, personnellement, chaque jour dans la rue, m'accompagne les policiers mieux et puis nous avons créé une situation pour la population qui a évolué normalement. Martine Moïse réagit sous arrestation Mario Antonio Palacios Palacios. Là. Jodia qui fait Jovenel Moïse 6 mois depuis que you groupe mercenaires colombiens et haïtiens entrent la Cali et ont assassiné. Martine Moïse, ancienne première dame, nan, li parle, mais ça li dit. Emprisonnement dans le pays États-Unis, un assassin président, c'est une étape importante dans la bataille menée pour une justice pour Marim. Donc ça c'est Martine Moïse qui a parlé. Moi souhaite étape ça capable aider nous jouer une vérité. 6 mois après, m'a continué bataille pour Jovenel Moïse joindre justice. Pas oublier ça c'est Martine Moïse qui fait déclaration ça dans un tweet jodi a pour lui montrer clairement que il est content parce que Mario Antonio Palacios Palacios rivé en bacode dans pays États-Unis et il espère que yo joindre la vérité sous cause ça. Claude Joseph tout te fait gros déclaration matin côté qu'il te bail en pile vérité sous dossier la mort Jovenel Moïse là. Une vérité qu'il bail, il dit comme ça c'est Ariel Henry qui bloquait enquête ONU lui-même il t'a fait. Pas oublier, yo te invité ONU Nations Unies pour venir faire enquête sous la mort Jovenel Moïse. Il dit comme ça, c'est Ariel Henry qui bloque ça. Mes amis, c'est gros causé. En tout cas, Claude Joseph lui-même dit bail en pile information. M'a invité nous écouter Claude Joseph. C'est important qui fait que nous abouti à arrêter 18 Colombiens, deux Haïtiens américains et où te wè avec qui efficacité enquêteur de CBJO yo tap mené enquête là et comme tout le monde capable constater après me fin quitter et primature là pour me kembe poste ministre affaires étrangères là enquête là li tombé enquête là du moins la piétiner. Pas de volonté politique pour enquête là et nous sommes capables d'y avancer. Et tout le monde constate que c'est d'abord pas de volonté politique. Différents documents ou bien nous sommes capables d'y révélations qui fait surtout par RNDDH montrer que vraiment c'est où. Une investigation, une enquête qui bâclée. Mais, arrestation, Palacios, par les autorités américaines, et on est capable de dire, bah, enquête là, on l'a dit. Parce que, contrairement à sa autorité pour le prince, ta pensée, il est capable d'utiliser enquête là pour soit faire chantage, ou bien, et nous sommes capables de manipuler, mais qu'on y a, avec arrestation Palacios, nous pensons que c'est un pas dans la bonne direction. Moi, je crois que j'ai un espoir pour le président Jovenel Moïse Jeune Justice, pour Famini et pour allier lui. Donc, moi-même, moi, c'est un fidèle, nous sommes capables de dire à cause ça, à cause du président Jovenel Moïse Abdéfana, parce que moi vivli mon wena qui dimension que président Jovenel Moïse lui-même était sincère dans cause que l'a défendre en bataille contre oligarchie, bataille pour gagner l'autre Haïti, bataille contre la capture de l'État. Donc moi-même c'est mon obligation pour moi-même pour moi et fait président Jovenel Moïse une justice et madame ni petite li et Annelio. On parlait de absence de volonté
politique pour Jovenel Moïse joindre justice, mais gagner un juge d'instruction qui a travaillé sur dossier, a gagné en quarantaine, arrestation qui fait, bien moun y attendait, bien moun qui a envie de recherche contre eux, mais d'un coup, ou estimé arrestation par la source là, d'ailleurs, États-Unis pas entendre tourner en Haïti, c'est une arrestation qui a permis enquête là avancer. En qui ça, vous pensez, arrestation ça, l'Ipral permet de plus lumière qui fait effectivement sous circonstances assassinat président Jovenel Moïse. Écoutez, c'est un gros complot qui aboutit à assassinat président République là. Gagnons ensemble de Colombiens que vous arrêté, qui pour est capable d'auditionner par juge là, qui en Haïti. Après 6 mois, et parce que pas oublier que jeudi 7 janvier, hein, fait exactement 6 mois que le président Jovenel Moïse assassiné et dans la condition tout le monde connaît. Donc, Palacios, devant autorité américaine, pour le parler, bien sûr, pour le dire qui est-ce qui derrière en mot ça. Alors que il cite. Ou a remarqué que les Colombiens ont commencé à faire des chantages parce que peut-être ils sont capables de dire dans la prison, dans des conditions qui ne sont pas réunies, qui commencent à dire c'est faire ou parler, etc. Mais pas la chose devant l'autorité américaine, yo, parce que de toute façon, nous connaissons le fonctionnement de la justice américaine là, totalement différent de ça. Moi-même, son autorité ancienne, autorité dans le pays, moi pas capable d'avouer justice pays. C'est ça que fait même moi mandé pour yo extrader par la source en Haïti d'après traité 9 août 1904 là. Mais on pas au monde qui fou en même temps. Moi connais que si par la source vient ici sans m'était capable dire il est pas cuisiné par la justice américaine, c'est là avec monsieur à terre. Donc moi souhaitais d'abord que justice américaine fin tendil et fin fait parler dit qui est qui derrière question ça après la vini ici bon moun qui fait droit yo même yo connaît peut-être mieux passé et ben et procédure yo mais moi quoi que kouni à côté balance sociale li mieux que s'il est exactement en Haïti dans condition que nous tout connaissons. Mais et on se parle de juge là tout à l'heure moi m'a dit que depuis m'té premier ministre et ensuite, ministre des Affaires étrangères, moi je connais un juge d'instruction pour qu'on parle, pas qu'à mener une enquête comme ça dans la dimension ça. C'est ça que fait me demander entraide judiciaire, coopération judiciaire. C'est ça que fait d'abord me décrit l'ONU. En fait, d'abord me décrit et un pays comme les États-Unis pour me demander pour permettre que FBI vienne aider nous dans la question ça. Moi t'ai parlé avec le président Colombia tout pour t'aider nous dans l'enquête. À ce que t'ai fait, des Colombiens étaient venus là, FBI était venu là, c'est après requête que m'ai fait. Ensuite moi j'ai écrit aux Nations Unies. Même si les écrit aux Nations Unies un premier ministre Ariel Henry que qui était venu remplacer, m'ai demandé pour camper sous et requête ça, demande ça. Mais tout ceci pour me dire, qui ça pour me dire que moi-même, moi, j'ai toujours cru qu'un juge d'instruction seul ne peut pas conduire cette enquête. Et tout le monde a pour elle là. C'est pas parce que peut-être que le juge n'a pas une volonté, mais pas questionner volonté les bonnes fois. Mais il n'est pas capable. Et pour contre lui. Et maintenant, qui l'autre bagaille qui vous a de fait, et moi-même, moi, j'ai rencontré avec plusieurs autres pays. Moi, j'ai rencontré avec le secrétaire général de l'Organisation des États américains pour moi faire même demande là. Nous avons besoin de coopération judiciaire, nous avons besoin de coopération internationale, étant donné la dimension transnationale du crime. Donc, c'est ça que tu as pas le fait que, ou pas le secrétaire général OEA, lui-même, tu es entré dans la bataille là, ou bien, et dit que yo prêt pour yo appuyer Haïti pour joindre justice au président Jovenel Moïse. Parce que tout simplement, c'est un président et en fonction qui mourit dans condition ça,
et qui représentait une menace pour le système international. Donc, joindre justice pour le président Jovenel Moïse, ce n'est pas plaire avec la personne du président Jovenel Moïse, ou bien famille seulement, ou bien allié, mais c'est éviter répétition de pareil acte dans le système international. Donc, c'est peut-être ça, moi, je crois que tu as un pile monde qui baille, tu as un pile pays qui baille pour aider à faire enquête l'avancée. C'est ça que je vais expliquer. Par exemple, la Turquie arrêter Sami Randal pendant la traversée pour la Jordanie. Donc c'est dans le même souci coopération internationale là. C'est dans le même souci entraide judiciaire là. Donc c'est ça que fait au Parlement qui arrêter Sami Randal après démarche que nous définissons faire auprès de chancellerie turque là. Donc Jean Doula est vraiment indispensable que gagner et nous capable de dire collaboration, coopération internationale, parce que pas quoi disposition nous gagne là dans justice pays nous et qui permettre que nous gagne justice au président Jovenel Moïse. Ouais, sans volonté politique ça et entraide judiciaire là n'est pas possible. Mais on dit où t'es initié en démarche comme ça, Ariel Henry t'es venu en place, t'es campé sous démarche là, qui ça t'es bail comme raison pour ça. Bon, écoutez, moi-même et moi, tout le monde qui a suivi l'évolution question ça, connaît que il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, et particulièrement avec le comportement d'Ariel Henry et par rapport à l'enquête là. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'MT ministre des Affaires étrangères a été effectivement une initiative ça auprès de l'ONU. Ariel Henry a décidé camper et tout simplement, d'ailleurs pas avancé aucune raison. Ouais. Et c'est pas seulement ça, c'est tout ça qui visait à faire avancer l'enquête là que le Premier ministre Ariel Henry a un problème avec elle. Que moi-même, moi, initié, j'ai un problème avec elle. Tout simplement parce que, d'ailleurs, on nous dit carrément que c'est un comportement très suspect, n'est-ce pas? Et même volonté à Ariel Henry pour le présenter devant le juge là, d'ailleurs, et c'est obstruction totale à la justice. Les révoquer un ministre de la justice et après un commissaire gouvernement. Et parce que le commissaire gouvernement a dressé un réquisitoire supplétif. Qui gagne à ouais avec appel lui fait avec Badio. Donc nous ouais de façon cavalière comment les révoquer Monsaio. Donc imaginons États-Unis on bagarre comme ça produit. Donc ça veut dire que un premier ministre qui révoque au ministre de justice et un commissaire gouvernement parce que tout simplement il a questionné implication dans la mort du président Jovenel Moïse. Donc ça l'idée ce bagarre qui est très suspect. Maintenant jusqu'à maintenant pas un monde qui ca connaît appel ça a eu, d'ailleurs, NDDHC 12 fois, appel ça a eu que Premier ministre en passé, avec une principale monde qui a assassiné le président Jovenel Moïse, qui ça a lié, pour qui ça la justice, pas qu'à questionner Premier ministre, pour Premier ministre, et l'on réquisitoire supplétif qui était voyé devant juge d'instruction, qui est plein de plis, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'entendre, juge d'instruction a beaucoup d'entendre. Donc, je pense que il y a deux problèmes. Et je ne sais pas si c'est parce que le juge d'instruction a parlé d'Ariel. C'est tout simplement parce que Ariel lui-même n'est pas d'accord pour le juge d'instruction. Tout ça qui est à ouais avec présentation pour le ministre devant le juge d'instruction, c'est un bagage qui pour lui qui est presque impossible. Parce que théorie parle, c'est que si le juge d'instruction entendait, le juge d'instruction doit révoquer tout de suite après. Donc, il faut que nous questionnions sur ça. Ouais, c'est que qui pour moi me paraît grave, son handicap, son entrave à avancement enquête. Est-ce que vous pensez que c'est ça tout qui expliquait dans le nouveau gouvernement ou pas répondu dans la tête affaires étrangères? Bon, justement, parce que moi-même personnellement, je suis un irritant pour les assassins de Jovenel Moïse. Qui tout côté au niveau du gouvernement ou bien qui parce que écoutez c'est moi-même j'ai dit ça
directement au Premier ministre, qui avait dit que moi-même, je suis un irritant pour les signataires de l'accord. Et je lui ai dit que je ne suis pas un irritant pour les signataires de l'accord, parce que je connais effectivement qui est-ce qui s'y est accordé, et que moi-même, moi, j'ai fait promotion pour l'accord là, mais je suis un irritant pour les assassins de Jovenel Moïse. Et ça, c'est clair, parce que m'a toujours été un irritant pour eux. Et c'est exactement pour ça qui fait que je suis écarté du gouvernement. Mais bon, ça n'est pas important pour moi, parce que si je devais être dans le gouvernement, je connais ça pour me défaire. C'est pour me faire silence sur la question de moi, Jovenel Moïse. Donc, moi-même, pas quelqu'un qui a fait me faire silence sur la moi, Jovenel Moïse. Et je me suis dit, Ariel Henry, ça, qui t'a offert mon autre job, je me dit que je ne suis pas un jobiste. Parce que moi-même, moi, quoi, dans la responsabilité. Et je me dit, responsabilité, en tant que ministre des Affaires étrangères, entre autres, c'est jouer une justice au président Jovenel Moïse. Moi, je connais chaque grande démarche que je fais. Sous question ça, comment t'es irrité certaines personnes de la primature, mais particulièrement le Premier ministre. Et moi-même, c'est une responsabilité. J'en suis dit tout à l'heure, et moi, c'est le président Jovenel Moïse, pendant tout le temps ça, on connaît, hein, avec loyauté. Donc, après l'envol, m'a toujours fait, mais c'est plus son question de loyauté, son question de responsabilité. Citoyenne, sont question de responsabilité politique. Donc moi, et après continuer bataille pour président Jovenel Moïse, jeune justice. Et en tout cas, bataille pour président Jovenel Moïse, jeune justice, ou bien velléité ça, depuis qu'il l'a gagné, est-ce que c'est tout de suite après assassinat président ou bien après? Article au journal colombien ça qui était cité non dossier ça non tout le monde d'a suivre à qui niveau que me prend et me ta capable dit et bataille ça et dire que tout de suite président fin mourir moi prend responsabilité en tant que premier ministre chaque jour. Parfois deux fois par jour, m'a fait de conférences de presse ou bien de plein presse avec CSPN dans mon côté pour m'a parler de l'avancement de l'enquête. Et c'est ça même qui fait que le complot est tellement fort, il y a un jeune pour arrêter, pour stopper. Il y a dit dans un journal Noticias Caracol que eh ben, le premier ministre, ça, alors je ne sais pas si effectivement Noticias Caracol, c'est pour un héros le fait, mais il y a dit premier ministre, ça, et bien, l'État assemblé, c'est le monde qui bénéficiait de l'amour. Bon, écoutez, moi-même, je te connais qui dimension complot a. Donc, c'est ça qui fait, ouais, ce bagage ça a pas ébranlé. Je t'ai pensé parce que, quoi, je te dis, c'est soit assassiné, ou bien président Jovenel Moïse, jeune justice. Et bagage ça a été vraiment paniqué, assassin. Parce que, assassin, pour faire un crime comme ça, il faut gagner un pile l'argent en même. Ou pas, ouais, depuis pas premier ministre, encore, journal ça, pas jamais parler de bagaille ça, du tout, parce que d'ailleurs, moi-même, moi sommeillot, jusqu'à maintenant, bagaille là devant la justice colombienne. Parce que pour moi-même, même si c'est ton détail, il n'est pas capable, dévier de route moins, même de trouver que c'est extrêmement important pour me défaire. Mais ça qui est extrêmement important, je veux dire, c'est que tout le monde cap suivre enquête là, tout le monde cap suivre évolution Baïza, connaît que Baïza c'était un complot, non l'autre complot, et qui pas dévié moi-même de et focus moins côté m'bralé dans la bataille. Et jusqu'à maintenant, pas rien qui est capable de dévier. Ou t'es chef CSPN, dans un moment colombien, ou t'es rentré dans le pays, c'est vrai. Alors, il dit que était là depuis plusieurs mois et je dis à va demander justice pour Jovenel Moïse. Est-ce que ou pas gagné on regret ou bien ou pas bail tête ou pas connaît donc tort le fait que ou t'es dans position ça et monsieur Sayo yo dans pays a yo comploté yo rentré yo planifié pour yo venir assassiner président et que ou même dans position c'est pas failli à mission ou pas jamais gagné information ça ou non écoutez en tant que premier ministre tout le monde connaît et ou pas foutu gagner
toute information. D'ailleurs, nous avons un premier ministre à l'intérim. Ou pas foutu qu'il y ait toute information de ce qui a passé en dans le pays. Mais ce qui est plus important, c'est que grâce à leadership moins, grâce à et on pas capable de dire fougue moins te permettre que arrêter au moins 18 colombiens tout de suite, parce que ça nous doit connaître, c'est que plein très probablement c'était colombien ça yo fin sur le président Jovenel Moïse, soit qui était pays à même côté à, ou bien yo rentré dans palais yo fait un autre on pas capable de dégâts. Mais en réalité c'était permettre tout ce que le président Jovenel Moïse finit mourir, qu'on chaos dans le pays complet. Côté que mon a pillé magasin moun, parce que pour yo, mon qui tue Jovenel Moïse, le président Jovenel Moïse tellement impopulaire que la mort est passé comme ça. Et on va le que moi mobiliser la population haïtienne, qui yo même va l'accompagner la police nationale pour yo kembe colombien. On va le tout, et on est capable de dire ça me fait. Pendant 72 heures pour qu'un BPIA et nous sommes capables de dire non situation sous contrôle. Et c'était un langage classique que nous avons utilisé, même si des tracteurs ont dit, mais mon cher, il n'y a pas de BPIA sous contrôle, il y a comme ça qui passe. Mais effectivement, le pays était sous contrôle tout de suite après, parce que nous encerclons monsieur, nous prenons, nous arrêtons, nous faisons la population garder calme. Et je dis, c'est grâce avec mesure ça. Et déclarer état de siège tout de suite après, qui permettent que Colombie ne va pas quitter le pays, qui permettent que nous jouions assassin, qui permettent que nous jouions en pile dans l'assassin, on nous dit. Donc, on y a, ça qui est important, c'est joindre le monde qui touille le président Jovenel Moïse, mastermind. Donc, c'est ça qui est important, c'est ça qui fait arrestation Palacios aux États-Unis, on hein, dit c'est un bon pas. C'est un pas dans la bonne direction. Et nous devons également féliciter toute structure organisationnelle et tout l'autre monde qui fait bataille ça très cher pour permettre que le président Jovenel Moïse joigne justice. Donc voilà, moi-même, ou après tout de suite après, soit 13 jours après, moi vine démissionner pour moi permettre que. Et Dr. Ariel Henry, vient premier ministre, selon dernier vœu président Jovenel Moïse. Donc, mais après décision, ça a comme des bras, on va voir question enquête là, vient cramper. Pas gain enquête encore, je dis. Pas gain enquête encore sous question et Jovenel Moïse là. Donc, c'est ça que fait, qu'il y a tout le monde qui proche président Jovenel Moïse, applaudit à demain, n'est-ce pas, arrestation Palacios, aux États-Unis. Bataille repmené pour Jovenel Moïse une justice là repmené non cas d'opposition puisque ou t'es déclaré ou rentré en opposition avec pouvoir ça et c'est plus que ça hein, c'est pas seulement une bataille pour justice mais son bataille tout pour prendre pouvoir. Écoutez, moi-même c'est pas en dynamique opposition avec ce pouvoir parce que de toute façon moi-même moi t'as souhaité que Docteur Ariel Henry réussit, même si après tout temps ça il passe sous pouvoir, pas aucun chantier. Même les chantiers les plus prioritaires pour Jovenel Moïse, ils ont campé. Ou regardez moi-même, par exemple, j'ai fait des déclarations sous canal d'irrigation qui a construit sur rivière Massacre. Ou après, j'étais capable de dire le gouvernement ça. Il n'y a pas aucun bagage que Jovenel Moïse a fait comme chantier, il n'y a pas préoccupation. Donc c'est un gouvernement sans priorité en termes de chantier. Jean-Jovenel Moïse a accompagné et on est capable de dire Mounio, population en dehors, et sourire le comme ça. Donc ce n'est pas une question d'opposition. Mais il faut que nous sommes d'accord que Jodia, gouvernement ça a acquis là. Il n'y a pas aucune volonté et pas aucune volonté politique pour faire avancer l'enquête là. Bah, ça pas important pour eux. Et le gouvernement ça qui là, il n'y a pas tête aucun mandat. D'ailleurs, mes stratégies, c'est prendre pause, il a parlé de l'élection en 2022. C'est prendre pause, il voulait aller vers la constitution d'un conseil électoral provisoire. Et puis pour fin 2023, il organise l'élection 2024 pour remettre pouvoir.
Donc, c'est son gouvernement de transition qui voulait quimper pouvoir sans y pas gagner. On était capable de dire et aucun priorité pour la population. Donc, il y a deux choses pour moi qui sont importantes. Il faut que l'élection soit organisée parce que nous avons une démocratie. Il faut que l'élection soit organisée. Ça, c'est le premier bagage là. Il faut que l'élection soit organisée cette année. Je ne sais pas si c'est par ce gouvernement ou bien un autre gouvernement. Mais il faut que l'élection soit organisée année ça. Et moi-même, je pense au gouvernement légitime et à gagner un gouvernement qui sortit par les jeunes, alors je voulais dire, a bien plus légitimité pour le travail sur la question enquête président Jovenel Moïse. Entre autres, parce que je veux que la population comprenne, je voulais dire que tout le bagage est réduit à une question de justice pour le président Jovenel Moïse seulement. Gouvernement, ça, non seulement il a une volonté politique, mais son gouvernement de transition qui n'a pas réglé rien. Et tout le monde est capable. Qui ça qui comme chantier prioritaire pour le gouvernement ça. Donc, il est extrêmement important pour nous repenser et question ça et pour organiser l'élection. Maintenant, et moi-même, pas besoin de connaître qui est-ce qui est pour aller prendre pouvoir, sauf que moi-même, j'ai souhaité, c'est un gouvernement qui a une légitimité, qui est capable de faire avancer l'enquête. Bon, tu t'as demandé à ce premier ministre, complot contre Jovenel Moïse là, est-ce que les nationales ou internationales ou bien les deux? Bon, et c'est les deux. Et c'est des mercenaires étrangers qui entrent dans le pays à venir tuer le président Jovenel Moïse. Et c'est certain que les gens qui tuent le président Jovenel Moïse, yo, ou bien qui derrière crime là, c'est des gens qui ici en Haïti. On tout connaît que le président Jovenel Moïse était des ennemis, les oligarques. C'était ennemi président Jovenel Moïse parce qu'il a bataille contre eux. Les coupes contraires dans le gaz, les coupes contraires aux plusieurs côtés. Donc nous connaissons que le président Jovenel Moïse n'a pas de sang ennemi. Et nous, par exemple, il y a des familles politiques qui touillent et nous sommes capables de dire qui participent directement dans le crime là. Tout le monde cherche contre qui est-ce qui bat Dieu, cherche contre qui est-ce qui John Joël Joseph, entre autres. Hein? Donc on va comprendre au moins bon, des indices, des idées. Sous côté là, mon président Jovenel Moïse, bon, là, c'est la justice lui-même qui va prononcer. Mais c'est un crime à la fois national et international. C'est ça que fait. Et pendant que je suis Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, moi, j'ai insisté sur la coopération internationale. Donc, ça, c'est fondamental. Mais, tout à l'heure, j'ai été posé une question qui était fondamentale. Et m'a appelé rapport de CPJA dans le commencement rapport. Ouais, pour que enquêteurs yo que nous devons féliciter parce que dans les CPJ c'est des véritables on est capable de dire professionnels qui la donnent et même si nous connaissons et d'après les rapports ou bien des documents que l'NDDH a été publié que enquêteurs ça eux j'ai une difficulté n'est-ce pas j'ai une difficulté pas certaines autorités dans le pays a, et pour avancer avec l'enquête là. Mais il faut que nous félicitions le travail au fait. Mais on croit que notre travail ça, l'enquêteur dit que Jovenel Moïse, le 5, l'innommé en premier ministre, et contre toute attente, deux jours, 48 heures après, il est assassiné. Et je pensais que l'enquêteur yo et non ça seulement, non ça seulement, veut dire un paquet de bagailles. Et moi-même, moi pensais que gagner un pile bagaille que enquête ça doit joindre, qui s'est passé exactement, quels sont les auteurs et co-auteurs des crimes ça qui a vécu dans le pays hier, ou bien qui est échappé pour lui. Donc, je pensais que l'arrestation par la sauce là, Jean entendait que Bob si t'as dit dans la radio là, eh bien, fait en pile monde et on t'a capable de dire jodi a et pas gain côté pour mettre koyo parce que les criminels yo c'est en dans pays yo arrêté c'est dans prison pénitentiaire yo ka touye yo parce que l'amour et dragon par exemple son amour qui est suspect hein jusqu'à maintenant pas gain monde capable et dit qui s'est passé exactement et mais c'est même gens plusieurs monde qui dans et capable de participer dans crime ça qui aussi là où arrêté aussi là où mettez yo ou par contre qui s'est arrivé avec yo parce que Jean RNDDH dit a on tant coup et Badio par exemple
c'est dans machine officielle qui a circulé dans pays a et je dis c'est même dans machine primature. Donc tout ceci pour me dire que gain un pile problème et pas volonté politique selon pas gain mais gon complicité au plus haut niveau pour enquête là pas avancer. Et bon citoyen qui dit là en qui ça arrestation par la chose là capable aider enquête là lorsque gagnent presque une vingtaine 18 colombiens qui yo même en Haïti. C'est-à-dire pour qui ça monsieur nous considérer comme un suspect clé dans cas d'enquête là qui ça nous connaît de lui. Parce que Palacios et le rapport de la DCPJ là et les documents et RNDDH hier moi le document de combien de 12 à 13 pages de RNDDH encore et Palacios il fait partie d'un groupe qui est le Delta. C'est lui-même qui était pour entrer la caille président Jovenel Moïse. Donc c'est sous photo dans le groupe ça, c'est sous téléphone dans le groupe ça, il y a une photo et président est assassiné. Donc ça veut dire que même j'ai avec Badiou qui est venu entrer après, et mais Palacios entrer dans la caille là pour lui faire partie de monde qui assassiné président. Parce que c'est eux-mêmes qui connaît. Parce que ça paraît que le plan initial là c'était kidnapper président et m'a souhaité que auditeur joine et rapport et RNDDH là qui fait que sorti hier donc et initialement c'était pour kidnapper le président mais ensuite plan vient changer dans 6 dans la nuit 6 pour tuer le président et tout bagaille ça faut qu'il fait au monde penser à pression président Jovenel Moïse t'a prend par exemple pour l'été nommer un autre premier ministre aussi rapide que possible. En pile pression que on pas de pression ça va sortir. Bon, écoutez, moi-même il était clair que tout le monde connaît le mettre dans tête primature là. Moi j'étais toujours à compter jour parce que me souhaité que président Jovenel Moïse joigne un premier ministre de consensus au monde transversal. Et effectivement, le président Jovenel Moïse présenté Ariel Henry, et c'est un monde transversal, oui. Parce que le premier ministre Ariel Henry, il est entré dans tout secteur, dans la vie politique, là. Donc, oui, et moi-même, le président présenté le premier ministre, moi, et le premier ministre nommé alors, moi, oui, dans quelle dimension, il a parlé avec un pile monde, c'est vrai. Des mondes qui, on est capable de dire qu'ils sont différents. Ou bien qui dans opposition pour une clotte, ou bien qui partageait de opinions et politiques et différents. Donc c'était la personne idéale. Mais président, moi-même, premier ministre Ariel Henry et on l'autre monde, nous étions ensemble dans le jour qui était 2 juillet, si je me rappelle. Et président te dit clair que avant, président te dit Claude. Et mon cher, nous jouons l'autre monde. Nous disons, M. Kies, expliquez, nous disons, mais c'est une bonne chose. Et puis, le président a présenté le premier ministre, il dit que voilà, et ça c'est un premier ministre, et le clair pour dire que c'est un premier ministre proposé par Michel Martin. Et bon, et puis il a expliqué que le président Martin, il a fait un paquet de bagages pour lui, pour le choisir comme président, et contre un paquet de monde qui n'a pas jamais développé. Lui est capable de dire ça c'est une reconnaissance ou bien c'est un retour d'ascenseur que lui choisit premier ministre Ariel Henry comme premier ministre. Maintenant si Blanc a parlé Matéli, ça c'est lui Blanc, mais lui-même retourne Michel Matéli ascenseur. Mais moi connais qui va l'impression que tu as fait sous lui avant pour te choisir premier ministre. Maintenant, ça c'est pas ça qui est important. Mais tout de suite après premier ministre vient choisir, soit 48 heures après. Président l'a assassiné. Donc ça, c'est des bagailles que la justice doit, on est capable de dire deux bagailles sous l'eau. D'abord, côté pression, on a sorti, effectivement. Pour qui ça? Et pour qui ça, tu as un marché pressé, effectivement, faut gagner un autre premier ministre. Et pour qui ça, tout de suite, le premier ministre est capable de dire gagner un arrêté qui sorti sous lui. Et 48 heures après, le président l'a assassiné. Alors que plein. Donc, vous pensez que tu as un lien entre l'assassinat et ça? Pour moi-même, ce que je suis en train de faire, c'est de questionner tout le bagage qui passe. Parce que le plan, initialement, c'était kidnapper le président. D'ailleurs, il a dit qu'il n'a pas fait pendant la Turquie. Et le plan vient de changer jusqu'à 6. Donc, il faut nous comprendre.
pour qui ça qu'on pourrait ministre qui finit nommé et que plan vient changer 11 jours après que le président, faut nous comprendre. Le plan a changé un jour après la publication de l'arrêté. C'est un jour après que le plan vient changer. Le plan passé de kidnapping à assassiner le président. Ça, c'est le premier bagaille. Ouais, ça, c'est le premier bagaille. Plan passé de kidnapping. Mais deuxième bagaille, ça assassin, pas penser, c'est que moi, tu as toujours été en fonction après le président parce que le premier ministre Potko et premier ministre Potko, nous t'as capable dit et prêter serment et pour qu'on installe. Donc c'est moi traité. Ou pas le balcon levé de bouclier contre moi. Qui va sortir d'abord dans PHTK avec président PHTK qui dit d'abord l'élection à Claude Joseph. Ou pas le balcon levé de bouclier. C'est comme quoi que assassin yo, les oligarques et de familles politiques entendent mieux cela mon président. Et je connais que ce n'est pas bon de continuer avec Jovenel Moïse, parce que moi-même, je suis un monde qui a parlé les mêmes paroles là avec le président Jovenel Moïse. Donc j'étais un irritant. Donc tout ceci pour nous, m'a questionné une série de bagailles. Non, mais est-ce que c'est tout ça qui fait ou dériver passer Maët Lambay à Ariel Henry, ou bien à part de pression ou de là qui sorti bon côté PHTK, mais bon côté international là tout. Est-ce qu'on peut pas recevoir pression dans le niveau ça pour te permettre que c'est Ariel Henry qui fait continuité hein? Écoutez. On ne peut pas recevoir pression au côté international là. Ariel Henry, c'était le dernier vœu du président Jovenel Moïse. C'est un monde qui transversal, faut qu'on d'accord. Il y a un accord politique également, côté que il y a un paquet de monde qui supporte. Ouais, moi-même, je ne peux pas bien pour me tenir tête à ça. Parce que pour moi-même, je ne peux pas avoir ambition de mesurer, de rester sous pouvoir. J'aime d'où là, Ariel Henry, c'était un monde qui gagnait et bénédiction par quelques groupes politiques. Donc, pas de aucune pression. D'ailleurs, je connais, si je tourne, par exemple, si je gagne information que Ariel Henry était parlé avec Badiou ou bien ensemble de l'autre information, peut-être que nous sommes capables de repenser et passation pouvoir. Mais même là encore, moi-même, je n'ai pas gagné légitimité parce que je suis un premier ministre de facto. Parce que c'est un président qui mourit, moi arrêté comme premier ministre en fonction, mais le premier ministre était nommé. T'es un vide qui était. Moi-même, je suis là pour me créer, je suis capable de dire, une situation incontrôlable dans la question de gestion de pouvoir. Vous comprenez? Donc, si je dis à comme tu as repassé et pouvoir avec Ariel, je toujours passé parce que moi, je ne regrette rien. Et Ariel, te paraît un monde de bon commerce et une personne transversale qui peut parler avec le monde. C'est quelqu'un qui est sage, etc., qui a coûté. Moi, je pense que si, pour moi-même, hein, et toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire que, bon, série de bagailles n'ont pas connu, Ariel Henry était un bon choix. Ouais, c'était un bon choix. Si, on dit, nous supposons qu'il y a un paquet de bagailles que moi-même, que je n'ai pas connu, qui passait, etc. Parce que ça m'a dit là, c'est parce que je me dis, Ariel participait dans la mort de Jovenel Moïse, m'a questionné le fil des événements. Je m'a questionné Datio, m'a questionné pour qui ça 5 ou non mon premier ministre, 7 présidents assassinés, mais le 6, le plan a changé. Pour qui ça a changé de kidnapping, parce que tu as supposé kidnapper l'aile d'Absolute Turquie, pas bien les présidents de la Turquie, moi-même dans les Nations Unies, et président Absolute Turquie, mes plans a changé, pourquoi on l'autre question avion et la trier, président pas rentré l'aile pour l'entrée. C'est là où on est supposé kidnapper le président, d'après, et encore, on est capable de dire rapport. Donc, le plan a changé. Moi, je questionne tout simplement le fil des événements, mais ce n'est pas parce que moi, je dis qu'il y a un monde qui est nécessairement, bien essentiellement coupable, non, et ça passe. Docteur Claude Joseph, n'a pas essayé de questionner tout pour nous comprendre. Et dossier ça qui gagne le flou la donne, n'a pas retourné dans le rapport RNDDH là, qui citait Léon Charles, qui était directeur général Polista dans l'époque là qui était parlé tout à que Badjo Joseph et on a suspect clé encore dans Crimza. Donc ils ont trouvé relation ou collaboration avec Léon Charles après Crimna, donc pour nous capable comprendre sans révélation RNDDH là. Tout le monde qui participait avec le gouvernement ou bien le conseil supérieur
dans CSPN, dans le Conseil supérieur de la police nationale, qu'on aime toujours à dire un seul bagaille. Moi, je dis, écoutez, nous tous qui là, et on a bien un témoignage dans le DCPJ, on a bien un témoignage là, dans le Léon Charles, on a bien un témoignage dans le ministre qui vient avec, qui toujours avec. Moi, toujours dis, écoutez, nous, chaque qui là, après la mort du président Jovenel Moïse, et nous, c'est des suspects. Je dis, nous, chaque, c'est un suspect qui là. Parce que moi-même, moi, j'étais très prudent sur comment un crime fait passer comme ça. Là, quand un président est mort, pas de monde qui tire, pas de monde qui mort, etc. Donc, on j'étais considéré tout le monde. Moi-même, par exemple, comme premier ministre en fonction, nous sommes suspects. C'est ça qui fait. Moi-même, je dois attendre tout. Vous comprenez? Moi, je dois attendre parce que moi, c'est un suspect. Et et nous espérons effectivement que l'enquête là recommence à avancer pour autant des Colombiens. Parce que 6 mois après, les Colombiens ne sont pas attendus. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'un côté, c'est parce que le juge l'a demandé pour avocat. Et il écrit mini-justice là. Pour mini-justice, il a même écrit chancellerie haïtienne. Pour les Colombiens, il a un avocat pour attendre pour témoigner comme témoin, selon la loi, n'est-ce pas? Pour accompagner eux, ils ont témoin de leur choix. Selon la loi. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas gagné ça. 6 mois après. Donc, c'est pas la sauce qui lit même aux États-Unis pour parler, pour dire. Et c'est ça qui est extrêmement important. Parce que les Colombiens, ils sont ensemble là, dans la prison, etc. Il y a même tout, il y a constaté faiblesse la justice haïtienne. Donc, il y a capable de dire tout ça au dit dans le rapport de CPI. Il n'y a pas vrai, au bon matin. Donc, c'est peut-être ça. On ne pas quoi que Palacios a fait aux États-Unis. Et qui côté Palacios, lui-même, de joindre tout support ça avant de quitter avant la Jamaïque? Parce qu'ils font bon temps dans le pays, quand même. Bon, écoutez, ça c'est une question comme ça. Vous pensez que vous m'avez pour me spéculer, vous m'avez proposé de l'information. Oui, non, moi-même, je pense que mon qui tue le président Jovenel Moïse, il y a gagné un appareil, il y a un dispositif, il y a gagné pour moi-même une grosse machine. Donc, c'est peut-être ça qui permet que vous fait le sauver. Et pas, c'est pas trop longtemps, John Joel Joseph qui te paye. Et c'est pas trop longtemps, et il paraît que Badio quitte le pays. Et sous complicité, à complicité, bien sûr, autorité, d'après RNDDH. Parce que jusqu'à maintenant, c'est sous document RNDDH que moi, je suis appuyé pour me dire on s'est de barrer avec DCPJ. Et par exemple, ou même, comme chef CSPN, Pierre-Onel, on était rappelé là, mais bien avant, j'ai l'impression, soit. Ça a échappé, mais ou bien on parle pour l'aspect ça, collaboration avec des géants après et assassinat. Comment on même ou analyser? On parle des de géants de la police là, par exemple. Bon, d'abord, je suis capable de dire que c'était une collaboration hiérarchique parce que c'est moi qui étais en principe président ou mes chefs CSPN. Non? Donc, des géants de la police là, les gagnants et dans une certaine mesure, ont dépendance de moi-même. Donc, il y a un rapport d'action lieu. Donc, c'était une collaboration hiérarchisée. C'était une collaboration hiérarchisée qui fait avec un pile respect. Ouais. Donc, voilà. Et d'autant que on connaît Léon était dans la diplomatie pendant que moi j'étais ministre des Affaires étrangères. Donc, même respect qui existait, protocole qui existait en dans la diplomatie, eh bien, c'est quasi même bagaille là, ou bien encore mieux, parce que l'ELT ambassadeur et te gon sorte de salutation le bat kon ban moi mais les vinn chef CSPN gen on l'autre pour saluer. Maintenant c'était un bagage hiérarchique hein, c'était un bagage hiérarchique entre moi-même avec Léon. On hiérarchie sincère ou maquillée, non?
Non, mais non, ça c'est d'autres adjectifs. Parce que nous, l'autre monde qui a. Moi-même, je connais que il y a un rapport hiérarchique. Mais maintenant, je ne connais pas si c'est sincère ou pas. Je ne connais pas si c'est sincère ou pas. Et, mais moi-même, par exemple, l'aime demander pour moi et Almatissan, et moi, je suis la police nationale, dans une certaine mesure, je suis mobilisé. J'ai accompagné pour me Almatissan, pour me faire un et dans le centre qui était quitté Caillou, etc. Donc, je ne sais pas qui ça y est, HKT. Vous vous rappelez là, que vous êtes chef CSPN, et qui ça, ou même, vous êtes capable de reprocher tête tout dans la mort de Jovenel Moïse, qui ça, qui sont pas de faire, qui cause la mort comme chef CSPN, chef sécurité PIA. Rien du tout. Je ne vais pas reprocher tête moi rien du tout. Simplement parce que moi pas gagné aucune information de présence de Mounsayo qui est entré en jeu dans le pays. Et pourtant, tu as besoin d'informations quand même. Non, pas nécessairement. Il faut nous parler de tête. Nous, on connaît qui pays où vivre. Bon, le président de la République qui gagne un dispositif de sécurité qui est plus puissant, avec intelligence qui est plus puissant, il n'y a pas de gagné. Et information pour te et capable de imposer que ça fait. Donc c'est pas moi même comme ministre, premier ministre affaires étrangères, premier ministre pour un petit bout de temps bien sûr, et ministre affaires étrangères qui n'a pas disposé de information. Parce que j'aime là, c'est un crime, c'est une gros machine, c'est un gros crime qui fait là, je dis. C'est un pile l'argent qui dépensé pour faire un crime comme ça. Comment imaginer qu'un crime comme ça fait qui ont infiltré sécurité président et Jovenel Moïse, ils ont entré la caille, ils ont tué, ils pas une réplique qui fait. Moun qui t'a supposé doué responsable sécurité président, eh bien, ils ont même, ils ont failli à mission, yo. Ou bien ils ont complice d'après ça, RNDDH dit, parce que moi, lis le rapport RNDDH. Et l'important pour les journalistes, ils lisent tout. Implication de moun qui pi proche président Jovenel Moïse en matière de sécurité. Donc, c'est-à-dire que c'est un bagage qui est extrêmement bien planifié. Donc, c'est peut-être ça. Ça qui était important pour moi, c'est pas exprimer un regret, c'était travail pour nous quimper autant de Colombiens que possible. Ce que nous arrivons à faire sous leadership moins et moins que 72 heures après. Mm-hmm. Et Claude Joseph, est-ce que vous avez une information? Que président a travaillé sur une liste de monde qui gagnait implication dans question de drogue que il était supposé arrêter. Pas qu'on est président t'a travaillé pour dire. OK. Pas qu'on est que président comme si n'était capable de posséder plus d'informations que dire sur monde qui gagnait et qui a vendu drogue ou bien qui drogue dans pays à dans la caillou. Pas qu'on président et moi-même je ne vais pas président parler d'un bagage comme ça. Évidemment, le président va parler de tout bagage avec moi. OK? Et bon, écoutez, parce que tout simplement, moi, je viens de jeune président et libre de confiance, je vais aller loyauté. Moi, je travaille ensemble et nous voyons à qui je suis capable de dire, dans quelle dynamique je suis. Mais maintenant, moi, je ne veux pas que je dévie l'opinion publique là sous cause président Jovenel Moïse. Moi, je suis contre président Jovenel Moïse, je suis monde qui est honnête. Ça, c'est le premier bagage que je suis capable de dire. Mais deuxième bagage, président Jovenel Moïse, il était sincère dans la bataille qu'il a fait contre l'oligarchie. Il était sincère. Il était en cause. Les débats qui dit que le président Jovenel Moïse a travaillé sur une liste, c'est dévier l'opinion sous l'oligarchie qu'il a bataillé contre lui. Moi-même, je ne voulais pas tomber dans le piège ça. Probablement, le président Jovenel Moïse a droit, effectivement, il y a des gens qui ont le droit de droit ou bien qui veulent chasser, effectivement, et parce que beaucoup de gens ont des oligarques. Parce que les oligarques, ce n'est pas seulement face à avec l'UTI, mais il y a des oligarques beaucoup de présidents. Maintenant, si la bataille, c'était pour accepter tout le monde, ça, qui est là-dedans, et on est capable de dire. T'as aidé le président Jovenel Moïse pour faire campagne, bah, ça a capable d'éviter de frustrer mon lieu. Mais moi-même, je ne connais pas que le président Jovenel Moïse a travaillé sur une liste. Moi, je connais Jovenel Moïse, il a une bataille que le tap mené, il a été coupé contre un monde qui a fait en pile l'argent. Et bagaille ça, le président Jovenel Moïse, te connaît, il n'y a pas sans conséquence. Il a toujours dit dans tout discours, dans toute intervention que il a fait. Donc moi-même c'est ça mon gros. Et président, l'aile t'es senti la danger, t'es fait plusieurs coups de fil
est-ce que l'été relé ou avant même les mourir? Mon cher, il pas relé. Là m'a tout deux bagailles. Il pas relé, les m'a prendre ça c'est moi qui a plaidé relé yo. Moi pas ca joindre yo. Il pas relé du tout. Mais comme étant donné que moi te voyer toute sorte machine yo aller tout de suite arrêté à te fin nommé Ariel. De voyer yo dans primature. Peut-être étant donné qui mon moi aujourd'hui, peut-être n'ta ka regret ça. Mais mon moi il y a et sincérité par rapport à Jovenel Moïse. Si m'te gen toute sorte machine ça dans même, les m'apprendre bagala m'ta ka gen tendance monter. N'ta ka gen tendance monter aller dans pèlerin. Peut-être t'ai coûté très cher. Vous comprendre et parce que et moi penser que moi-même si m'te gen tout dispositif ça dans même comme machine et primature avec tout soldat ça yo, on t'a dit monsieur en nous monter. Ouais, et peut-être on t'a pas faire ça, mais il pas trelé, peut-être il pensait que on pas aucune utilité. Un sorte machine yo me t'a envoyé dans primature. D'ailleurs c'est vers 5h du matin, yo parler côté yo ban moi, n'est-ce pas? Me t'a envoyé toute sorte machine dans primature, moi pas gagné vraiment, on t'a capable dire en un même. Bon, écoutez moi dit que et connaissant qui est moyen moi t'ai qu'à prendre toute machine yo me monter en aller à la caisse président. Mais ça capte tant film mourir bien sûr, mais et m'ta capable faire ça. Mais et malheureusement, li pa traiter les moins. Moi t'ai resté dans zone bon la caisse moi entre la caisse moi et de l'autre caisse qui dans zone là et tout simplement parce que moi t'ai important. M'ta pas capable faire rien dans moment. Ou t'es proche madame Nantou, t'es proche famille en tout, quoi t'es parlé de ça. Et où tu es resté en contact avec Martine après crime là? Claude, Joseph. Un moment. Émotion. Ah bah oui. Claude Joseph a prié. On a appelé Claude Joseph, c'est ancien premier ministre, ancien ministre affaires étrangères, président Jovenel Moïse, c'est lui qui est ensemble avec nous en direct là. Vous essayez de reprendre nous? Oui, alors oui, ou t'es kembe contact quand même avec bien Martin. Sûr, oui, bien sûr, vous jusqu'à maintenant avec petit président. Nous avons fini Claude Joseph ou pas de même génération avec président Jovenel Moïse, ou t'es très critique d'ailleurs dans le passé de famille politique côté président Soti. Expliquez-nous pour l'histoire comment t'es rencontré président jusqu'à ce que vous devinez jouer une confiance au point que je dis à nous considérer comme un fidèle même dans la molle. Ouais, donc premièrement, ma paix répondre avec question sur Claude Joseph, c'est ancien premier ministre, ancien ministre d'affaires étrangères sous administration Jovenel Moïse là, un collaborateur proche de président qui a parlé avec nous là matin à occasion sixième mois depuis assassinat président Jovenel Moïse, en pile émotion dans interview ça et nous cap comprendre ça. Claude Joseph, tu es chargé de mission ou tu es représenté Haïti en Espagne. Par la suite, tu as pris la rentrée pour te venir occuper poste premier ministre, ministre des Affaires étrangères d'abord pour te venir ensuite premier ministre. C'est dans l'occasion sixième mois anniversaire, ou sixième mois, et depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, il est avec nous et matin là pour nous capables de comprendre. Et qui côté nous y est dans l'enquête là, qui pas qui franchit, est-ce que le possible, je dis, pour Jovenel Moïse et Joanne Justice, qui est agent d'Alto? Oui. 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 Oui, alors, je t'ai dit par rapport avec famille président et Jovenel, par exemple, nous songeons, nous avons téléphone ensemble, je quitte. Cette là dans matin et peut-être vers 1h 2h du matin barablème, mais moi gagne et on liste appel téléphonique que vous faire et nous songe dernier ça Jovenel a dit c'est Claude quel que soit son gagne voyez à et voyant roi à jeune papa là ça me dit important et je me dis à 100
sans rien en même moi-même mais pas gagner machine pas gagner plainte moi pas gagner et on corps avec moi et monsieur a pas prendre parce que l'hiver département car là que papa en difficulté et il a fait des appels au secours et me penser à ce n'a soya c'est pas moi-même seulement que Jovellin t'est relé mais moi-même comme premier ministre qui était démissionnaire on pas de café rien je me dis peut-être c'est me gagner petit cas en folie pour faire mal monter etc. Et on toujours gagné bon contact avec la famille et puisque pas rien pile le monde et sinon des journalistes on t'a capable de dire farouche et qui toujours à défendre cause président question la molle etc. Bon on t'a rencontré avec le président pas oublier que on t'a gagné en première fois yo te nou menm comme ministre des affaires étrangères expérience ça pas bien passé décembre 2020 chargé d'affaires en Espagne n'est-ce pas m'étais entré là venir comme ministre mais nous fin passer devant chambre député mais chambre sénat donc comme tout ça passé et expérience ça il était avorté moi t'ai retourné en Espagne et c'est là encore que le président pral ouais toute activité que m'a mené en Espagne et moi-même avec le président, nous venons gagner une communication permanente. Nous sommes capables de dire presque chaque jour en Espagne, nous parlons. Et qui vient faire que le président et l'activité m'a fait permettre aux étudiants d'aller en Espagne, etc. Donc, nous étions vraiment contents de faire une rencontre avec les étudiants. Bon, nous avons deux autres questions et quand même nous qui est important par exemple il y a une information Claude Joseph qui fait quoi que le président pas descendre dans le bureau le palais national plusieurs jours avant assassinat est-ce que est-ce une explication à ça pour qui ça ça bon passé, et moi même explication possible que il y a que ça c'est des questions qu'on a et c'est explication possible avec ça parce que nous descendons, moi-même, à l'en parler. Par exemple, la brosse ou à l'aide de créance, ou bien la fin de l'autre rencontre avec personnel diplomatique là, où il a dévoué une délégation. Et que le président est qu'on allait, mais pas souvent. Bon, que nous, on n'a pas obligé. Merci beaucoup, Claude Joseph, pour le fait que tu es méthode disponible pour te quand même parler avec nous. Nous comprenons l'émotion qui marque l'interview à notre finissement exercice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Bonne journée. D'accord.